Et bonjour à tous et à toutes, c'est Xeleco, bienvenue pour ceux qui verront la rediffusion sur YouTube, puisqu'actuellement je suis en stream Twitch. On va essayer de faire les invocations pour la Shogun Raiden. Vous voyez les primos, ça va être assez compliqué de l'obtenir parce que j'ai eu Yoimiya, donc je suis à 1. Donc là on va viser la 50-50, et bien évidemment, vous savez que j'adore les archers et l'électro, donc j'espère tomber sur un maximum d'exemplaires de Sarah. Clairement, ça ferait très 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 plaisir. On va commencer par la petite single, tiens. Let's go, puisque j'ai une pierre. On sait jamais, imagine ça tombe. Oh, ça serait magnifique. Ça ne tombe pas. Bon, c'est moins magnifique du coup. Alors, on va y aller par single au début. On sait jamais, c'est là où vous avez les taux qui diminuent. C'est l'occasion. Hop. Donc, on est à 3. Ah, du violet. Si on peut économiser des primos, et merde, fait chier. Xiangling, évidemment. On est à 4. Ah là, comme les primos sont tendus, on va peut-être single jusqu'à 30. 5. Ok. 6. Toujours rien. 7. Dommage. 8. Allez, 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 allez. J'espère avoir Sarah au prochain violet. 9, hein, c'est ça? Ok, 10. Donc le prochain est à violet, logiquement. 11. Non, encore 1, je crois. 11, voilà, le prochain est à violet. Le 12e, puisqu'on l'a eu au 2e. Celui-là est violet. Sarah! Oh, fais chier! T'es pas sérieux! 12, du coup? 13. Merde, je fais plus le décompte. On n'a pas de chance sur les violets non plus. Hein. 16, un truc comme ça. 17. 18. 19. Alors on va retomber sur le violet, de toute façon. 20. 21, ça c'est pas un violet. Ah! Oh! Ok. Ils me l'auront fait vibrer, mais au moins on repart déjà avec Sarah et ça c'est cool. Ok, donc 21 ou 22, je sais plus. Honnêtement, là je sais plus du tout. Je crois que c'était 22, 23, 24, ça veut pas me sourire la chance. Ah, 25, je suis en train de m'en mordre les lèvres, 26. Oh là là là. 27, allez encore 3. 28. 29. Ok, 30. Bon, on va passer sur de la multi. Bon, que dalle. Allez, c'est parti pour de la multi. On passe à 40. Allez, Sarah. Oh non. Ça peut peut-être y en avoir une autre. Ouais, mais le jeu, il est radin même en 4 étoiles. C'est incroyable, ça. Même pas une... J'ai pas eu encore 2-4 étoiles, quoi. C'est vraiment des trucs du pauvre. Allez, 50. Oh, toujours pas. Bon, je m'en fous. Donne-moi du Sarah. Oh là là, pop, l'épée horloge en plus. J'ai jamais vu cette épée dans mon compte tellement... Je sais même pas quoi en faire. C'est sûr qu'il la mette. Toujours pas 2-4 étoiles en plus. Ah, si, ça y est. Bon, j'aurais dû me taire. Point.
Ah, tout à l'heure on aura la boutique, on pourra. Donc allez, on passe à 60. Ah, ça veut pas. Ça veut pas du tout. Oh, j'ai pas. Constellation 1, du coup, de Rosalia. Ça se prend, même si je préfère ça. Ok, 70. La sueur commence à monter, les gars. Oh, d'accord. Ah, nice! Ah, une double 4 étoiles. Ok, on est à 70. Si je dis pas de bêtises, on repart sur de la single. Puis après, au pire, bah, on aura encore les invocations qui vont nous donner et tout. 72, 73. 74. Voilà. Bon, allez, sauf pity. On aborde à 75. Allez, c'est parti. 76. Oh, j'y ai cru. Allez, Sarah. Non! 77. Oh, allez, Sarah, cette fois! Franchement, limite, à bout d'un moment, on devrait pouvoir échanger un 4 étoiles contre un autre. Hein. Ou je sais pas, genre 5 4 étoiles contre un nouveau 4 étoiles. Quoi. Ah, yes! S'il te plaît, balle, go! Oui! J'ai vu l'artwork, je fais, mais c'est quoi ce bordel? Je fais, oh là là! Ah! J'ai vu l'artwork, je dis, mais qu'est-ce que c'est que cet artwork bizarre? Et je me suis dit, après j'ai eu un soupçon, je me dis, mais oui, je connais pas! Si je connais pas, c'est forcément nouveau! Donc, on repart donc avec une petite balle, on repart avec une Sarah C1, une Xiangling C24, et C16 et C17, et Sucrose C42. Alors du coup, petite constellation de Rosalia. Lorsque les attaques de Rosalia infligent un coup critique, sa vitesse d'attaque, voilà. La petite Sarah. Honnêtement. Ah, la fausse est 6, hein, les gars. La fausse est 6. Bon, ce qu'il y a de bien pour ceux qui savent pas, c'est que elle rejoindra les vœux permanents plus tard. Donc, effectivement, par exemple, si vous savez pas trop quoi en faire, que vous avez des pierres, ça pourrait être intéressant. Par exemple, je sais même pas combien je suis dans cette historique. Vas-y, on va les faire. De toute façon, moi je m'en fous de ce que je vais obtenir. Je crois que je suis dans la trentaine, donc il y a de quoi pouvoir venir. Ok, bon. On a 1700. On va pouvoir échanger contre des pierres, récupérer aussi des petites invocations. Quasiment une multi. Hein. Quasiment une multi. La bannière d'armes, c'est celle-là. Avec la lame brute ici. Qui augmente la force du bouclier. Pour l'instant, il n'y a pas encore grand monde qui l'utilise correctement, on va dire. C'est une arme bien. Et la nouvelle arme, du coup, celle de balle. Voilà. Bon, bah, du coup, ça va être assez sympathique. Puisque nous avons la petite demoiselle. Ah là, sa tenue est vraiment stylée. Bon, je vais pouvoir vous jouer ça en stream, du coup, faire un petit peu plaisir. Bon, pour ceux qui sont sur YouTube et qui voient la rediff, ça fait plaisir, ça fait... Quand est-ce qu'on avait dernier un 50-50? C'était qui le dernier? Je sais plus du tout. Ça fait un bon bout de temps que j'ai pas... Je me souviens pas. En tout cas, le dernier 50-50 que j'ai tenté, c'était Kazuha et je l'ai perdu. J'ai eu Ketching à la place. Eh, perso électro, je vais pas me plaindre, je l'avais pas. Mais bon, même si maintenant je regrette de ne pas avoir eu Kazuha,
au final. Donc voilà, on va attendre un petit peu. Et puis peut-être qu'on ira le chercher plus tard s'il revient dans une période où je suis pas trop fan des persos. On verra ce qu'on sera capable de faire avec. Voilà, ciao tout le monde, à la prochaine, portez-vous bien, prenez soin de vous, bye!